Nous étions ensemble hier en République dominicaine. Je suis très heureux de l'accueillir aujourd'hui en Haïti, particulièrement d'abord à la chancellerie, ensuite au palais national. Donc nous parcourons les rues de la ville depuis ce matin, de l'aéroport à la chancellerie, comme je viens de dire, et depuis quelques heures au palais national. Il a été reçu par le président de la République, qui lui a personnellement fait part de l'affection d'Haïti à l'égard de la Turquie pour toute l'aide apportée à notre pays en des temps difficiles. En particulier, après le tremblement de terre et récemment pendant la COVID-19. Aujourd'hui même, dans l'avion qui l'emmène en Haïti, le chancelier est venu avec un don de 2 ventilateurs pour le pays, afin que nous puissions poursuivre notre lutte contre la pandémie. En marge de la visite du chancelier turc, lui et moi nous avons signé pour la Turquie et pour la République d'Haïti 7 accords. Oui, 7 accords et protocoles d'accord qui portent essentiellement sur la coopération technique, la coopération culturelle, la coopération économique, la coopération politique, la coopération en matière de gestion des catastrophes naturelles, sur les archives et sur l'académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères. L'institutionnalisation des relations entre nos deux pays, des possibilités de coopération scientifique, de coopération agricole et de coopération dans le domaine de la santé. Nous avons fait aussi de grands pas dans la coopération au niveau énergétique. Une question, comme vous savez très bien, très chère au président de la République qui en donnera les détails au moment opportun. Le ministre turc, mon ami Mevlut, a promis d'aider Haïti à recevoir des investissements d'entrepreneurs turcs en vue de réduire le chômage dans le pays. Il a aussi promis d'aider dans le secteur de la construction et de la cimenterie. Very kind remarks, and I'm very happy to pay my first visit to Haiti. And I would like to thank you, my dear friend Claude, for the kind invitation and also for the warmest hospitality extended to myself and my delegation. And today I was received by President Jovenel Moïse, and I convey the best wishes of my President Erdogan, that they spoke on the phone roughly five weeks ago. And I have to tell you that I was very much impressed with the vision and the dedication of President Moïse for Haiti and Haitian people. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, mon très cher ami Claude, laissez-moi vous dire encore que je suis très heureux d'avoir effectué cette première visite. Je voudrais vous remercier particulièrement pour l'accueil chaleureux que vous avez accordé à moi-même et à ma délégation. Aujourd'hui, j'ai été reçue par le président de la République d'Haïti, M. Jovenel Moïse, et je lui ai transmis les bons souhaits du président Erdogan et je lui ai également fait part de l'invitation qu'il lui a faite de venir visiter Haïti. J'ai été très impressionnée par le discours de M. Moïse et de la vision qu'il a exprimée pour son pays et pour le peuple haïtien. And at this phone conversation that I mentioned, our president set important goals for our bilateral relations, and we will work with my dear friend Claude to reach them. And that is the reason that I am here today.
and we look forward to expanding our relations in all possible areas, especially in the field of economics. Nos deux présidents se sont parlé il y a environ 5 semaines et au cours de cette conversation téléphonique, ils se sont rappelés l'un à l'autre les buts importants qu'ils ont fixés pour une collaboration bilatérale et nous allons travailler à leur côté pour que cette collaboration se matérialise. Nous espérons pouvoir plus amplement étendre nos relations dans tous les domaines possibles, en particulier dans celui du secteur économique. So today we have the opportunity to discuss all these areas that we can work together. When I mean the economy, of course, energy is part of it, and construction, and also renewable energy, and also the other services and the visionary projects that we can provide and we can realize together. And today, Minister Joseph and I agreed to intensify our exchange at all levels, and we will continue paying this kind of reciprocal visits. And my president will be very happy to host President Moïse in Turkey, and I extended the invitations today. And I will be also very happy to host my dear friend Claude in Turkey. And today we also agreed to complete the legal basis of our economic relations in a very short time. Je vous ai parlé de coopération économique, mais quand nous parlons d'économie, cela sous-tend d'autres secteurs qui ont été déjà énumérés puisqu'on parle de l'énergie, de la construction, de l'agriculture et bien d'autres. Nous espérons pouvoir étendre ces relations et Monsieur Joseph, le ministre Joseph et moi-même,